et n'oubliez jamais que la révolution est en marche. Let's go. Alors, salut à tous. Si je ne vous l'ai pas dit, je suis à Lomé actuellement pour une conférence qui s'est animée hier et je suis également venu ici pour des vacances par la même occasion. Du coup, j'ai réservé une suite à l'hôtel 2 février ici pour mon séjour. Je suis venu aussi avec ma chérie, histoire de se changer un peu les idées également. Et j'ai voulu profiter de l'occasion pour interviewer aussi certains membres de la formation. Du coup, je vous montre tout ça. Une journée typique dans ma vie ici à Lomé. C'est parti. Donc là, on est à l'hôtel 2 février, comme je vous l'ai dit. Et on va se rendre donc dans la suite. Et je vous emmène voir tout ça. Donc là, on attend l'ascenseur. C'est pour la première fois que je vais dans un hôtel en tant que tel, je crois. Hein. Enfin, ici en Afrique, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, j'ai l'habitude de prendre des Airbnb et tout ça. Et pour cette fois, j'avais décidé de choisir un hôtel pour voir un peu. La principale différence, je pense, c'est que dans les hôtels, il y a les restaurants, il y a les buffets, il y a la piscine. Et aussi, un hôtel comme celui-ci est situé en plein centre-ville. Donc, c'est facile, en fait, d'accéder aux différents endroits. Tandis qu'un Airbnb peut être plus confortable, plus large, plus spacieux et tout ça. Mais on ne va pas présenter ces avantages-là. Donc, je pense que je reste quand même pour les Airbnb, hein, parce que... Les hôtels ont quand même l'air un peu vieux. Donc là maintenant on est au 16e étage, là où je suis logé. Donc je vous amène voir rapidement. Nous voilà ici dans la suite. Ici c'est le salon. Il y a une petite commode ici à l'entrée. Il y a une petite table ici, je pense pour recevoir du monde. Ici il y a un petit comptoir, je crois, avec café. Ici il y a un frigo et des tiroirs que je n'ai pas ouverts en passant. Bon, comme je le pensais, c'est bel et bien vide. Donc ici, il y a le téléphone pour appeler la réception. Ici, il y a un canapé. Petite lumière. Il y a une télé également. Il est marqué, Monsieur Mirel Sekou, chaleureuse bienvenue à Lomé, à votre hôtel de février. Pas mal quand même pour l'expérience client. On sent un peu une certaine personnalisation. Et donc ici, il y a un petit siège ici. Et puis ici, on a cette magnifique vue là sur Lomé. Quand j'étais venu, on jouait un match de foot là, donc j'ai assisté au match en avant-première, au premier loge du moins. Et on a cette magnifique vue là, et je vous promets que la nuit, la vue est tellement plus belle. Donc c'est ça, donc je vais vous visiter la chambre rapidement. Donc ici, me voici dans la chambre, on a ici la salle d'eau, donc les toilettes ici, la douche de ce côté. Le séchoir ici pour les cheveux de madame, ce miroir lumineux là, et enfin une petite baignoire ici, très agréable pour se baigner les soirs avant de se coucher. On continue. Alors ici on a la chambre proprement dite, avec un dressing ici, ici de quoi poser nos valises, enfin, je crois, et le grand lit. Une king size, assez confortable quand même. Ici on a un bureau pour travailler, où je me pose pour travailler les soirs souvent. Ici le petit siège, et encore ici la belle vue dont on ne se lasse pas. Magnifique. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'hôtel où on séjourne. Actuellement, on a deux interviews avec deux membres de la formation. On finit rapidement de tourner ça et je vous montre la suite. Allez. Ouais. Voilà. On est au karting. Il y a Junior. Il y a Ousmane. Ce conférencier international. Il y a Madame. On ne voit jamais. Et qu'on verra jamais. Donc, à votre avis, qui est-ce qui va gagner? Qu'est-ce qui va gagner? Ok. Donc, il y a Junior qui dit qu'il va gagner. Il n'y a pas de soucis. Je vais battre ma tête. Ok. On verra bien. C'est vrai que je n'ai pas le permis, mais on verra bien. Qu'est-ce que je joue le troisième? Là, c'est qui est arrivé en premier? Non, c'est moi. Tu as dépassé le vote deux fois. Deux fois?
Vous savez que vous n'aviez pas fini. Non, mais moi, c'est quand le rouge s'est affiché que moi je me suis arrêté. Quand il a mis le drapeau blanc là, c'était hein? pour dire que c'est le dernier tour. Ah! Mais vous, merde! Oui, c'est le dernier tour. C'est pour ça que moi je suis reparti. Ah, moi j'avais pas compris. Le dernier tour. La fin plutôt. Oh, c'est pas la blague, hein, c'est tout là. J'ai battu mon coach. Bon, Junior a gagné. Junior a gagné. Je suis dernier. Ouais, là, tu es dernier. Non, il y a une dernière. Il y a une dernière. Je l'ai dépassé au moins 4 à 5 fois. Ah, vraiment, moi, il dépassait seulement. Hein. Donc, c'est tout. Bon, là, on va rentrer à l'hôtel. Et puis, travailler un peu, se reposer pour demain. Ciao. Donc là, c'est le dernier jour et tout. Hier, j'avais donné une interview avec deux membres de la formation qui sont ici à Lomé. Parce que quand je passe dans une ville, je fais quand même l'effort de les rencontrer. Et donc, j'avais tourné une interview avec eux. Je les ai fait venir ce matin aussi avant de partir. Il faut qu'ils se présentent un peu à vous et qu'ils vous présentent un peu leurs résultats afin de mieux vous inspirer également. Donc, je les laisse rapidement. En premier lieu, on a... Moi, c'est Espedi, membre de la formation de Meryl depuis 6 mois maintenant. Là, on est à 59 millions sur les 3 derniers mois. Ok, 59 millions sur les 3 derniers mois. Ok, quoi, ça y est. Ok. Là on est à 17 millions pour l'instant. Je dirais 9 millions. Ouais, 9 millions. En bénéfice, on est sur quelque chose de 4 millions, 4 millions 5. Ouais. J'ai 20 ans. Et ensuite, on a ici Junior Diatto. Sur les réseaux aussi, Junior Diatto. Bon, moi j'ai 18 ans. Tu étais présent dans l'interview hier. Je suis membre de la formation et du coaching de Meryl. Et je chiffre pas mal. Donc, je vais vous montrer quelques résultats. Sur les 90 derniers jours, on est à 26 millions. Je vais réactualiser. Voilà, sur les 30 derniers jours, on est à 13 millions. 13 millions sur les 30 derniers jours, avec environ 5 millions 5 encaissés. Et on est entre 2,2 à 2,5 millions de bénéf, oui, pour ce mois. Donc, comme vous pouvez le voir, les choses se passent. Et des gens font des choses. J'adore comme ça voir des jeunes qui explosent tout dès le bas âge parce que l'avenir présage de très bonnes choses pour eux s'ils continuent toujours sur cette lancée. Et je ne sais pas, est-ce que vous, c'est vrai que votre interview, les interviews vont sortir bientôt, mais en attendant, pour ceux qui suivent ce vlog, quels sont les conseils que vous avez à donner? Je vous demanderai de passer à l'action parce que les choses se passent. Il ne faudrait pas que vous restiez en marge de ça. Lancez-vous. La formation du coach est là. Et même les vidéos gratuites qui sont sur sa chaîne YouTube et tout, c'est plein de valeur. Vous pourrez commencer avec ça. Et lorsque vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, la formation aussi vous attend. Donc, passez à l'action. Je viens même de recevoir une commande. Bon, il y a eu quelques commandes quand même ce matin. Il y a 17 minutes. Ok. Donc, comme conseil, moi, je vous dirais vraiment de vous lancer. Il y a des gens qui se disent déjà que les marchés sont saturés et tout, mais tout ça, c'est faux. Il y a des millions de produits, donc des millions de personnes qui peuvent se lancer. Vous pouvez tous vous lancer. Si vous avez vraiment envie, vous êtes prêt à travailler, tu lancez-vous. Et franchement, soyez patient. Si vous êtes patient et persévérant, les résultats vont forcément suivre. Imaginez juste la vie que vous pourrez avoir juste en gagnant 1 million de francs de bénéfices depuis l'Afrique. Pensez juste à ça quelques instants et dites-vous que ce n'est que le minimum que vous puissiez faire si vous mettez les actions en place et lancez-vous. Super, donc c'est tout. Je n'ai absolument rien à ajouter. J'ai passé un très bon séjour à Lomé et donc je vais prendre le départ tout à l'heure pour Cotonou parce que il y a ma fille qui me manque aussi. Donc je vous partage le reste. Allez, à très bientôt. Ciao. Je vous laisse encore avec cette magnifique vue sur Lomé. Honnêtement, je ne m'en lasse pas. Bien au soin de la route à faire un à Lomé. Je m'appelle Valérie, j'ai remarqué ce magnifique portrait. Franchement,
Est-ce que vous allez ça, vous dites-le en commentaire. Hein? Dans le commentaire. Je ne sais pas si c'est une bague originale dans le commentaire. Mais franchement, je kiffe. Merci beaucoup. Merci. Ça fait énormément plaisir. Et en tout cas, tu dis. Je suis très content. Merci beaucoup. Non, t'en prie. Si vous êtes à Lomé, assistez aux conférences, aux formations de Ousmane. Ça marche. Donc la révolution marche. Je vais prendre le débat tout à l'heure pour quand tu dis.